Bonjour, nouveau tutoriel sur SketchUp, comment insérer un composant dans SketchUp 2020 en ligne. Alors ici on veut insérer une porte hein, dans cet appartement. On va aller sur cet outil-là qui s'appelle opération de fichier pour le modèle actuel. Je clique dessus, là je descends et je vais aller sur insérer. Sur insérer, je peux insérer, je peux aller chercher un objet, un composant depuis le cloud de Trimble, dans Trimble Connect, ou bien alors je peux aller en chercher sur mon ordinateur. Je vais aller sur mon ordinateur. Sur mon ordinateur, dans un dossier, peu importe, hein, vous pouvez aller dans un autre dossier, là je suis dans le dossier téléchargement, j'ai mis l'élément porte d'entrée ici. Je double-clique dessus et je clique sur insérer en tant que composant. Ma porte d'entrée est ici. Maintenant, j'ai ma porte d'entrée, il faut la mettre en place. Pour la mettre en place, je ne peux pas la mettre en place n'importe comment. Donc, il est important de bien se positionner pour la mise en place. Voilà. Maintenant, je vais reprendre l'outil déplacer. Et là, je vais aller sélectionner le point ici pour aller mettre ici exactement, pour que ma porte soit exactement à la bonne place. Et là, donc, si je vais cliquer à côté pour désélectionner ma porte, si je regarde, je peux mettre de l'autre côté, je vois que ma porte est pas parfaitement placée. Quand j'ai un objet, éventuellement, je peux aussi procéder de la même façon. Voilà, à bientôt, au revoir.